Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs. Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Nous prions qu'ils se portent bien par la grâce de Dieu et qu'ils se finissent passer une très bonne nuit et surtout le passage du cyclone et toujours nous restons sous l'abri du Très-Haut et aussi sous notre abri que Dieu fait bénir nous. Et me prier que tout se passe bien, que je porte bien ensemble avec les membres de notre famille. Voilà, et la situation est comme cela qu'aujourd'hui, et avec le cyclone, nous pouvons faire le live depuis la maison. Et merci que je peux prendre le temps, bien réveillé, pour capable ensemble adorer le Seigneur. C'est le jour du Seigneur, c'est le premier jour de la semaine. Il est très important pour nous capables d'être ensemble pour adorer mon Dieu. Alors, il reste avec nous jusqu'à la fin de notre réunion. Et pareil comme lors de mon confinement qui nous finit là, nous devons faire le culte online. Alléluia. Il est toujours pareil en ce moment-ci. Et nous comptons la grâce de Dieu. Dieu bénit tout un chacun. Merci que vous êtes là, présent. Voilà. Et nous trouvons maintenant qui est affiché par la grâce de Dieu. Le Seigneur les bénit son peuple. Laisse-nous prier, frères et sœurs, nous bénissons cette réunion et dans la main du Seigneur. Père, nous bénis-toi. Ce matin, nous rendons-toi grâce pour tout ce qui t'a offert, pour tout ce qui t'a été. Nous donne-toi toute la gloire. Nous reconnaissons envers toi pour tout ton bienfait dans la vie. Nous bénis ce moment qui toi accorde nous, Seigneur, pour qu'ensemble nous soyons capables de glorifier toi. Donne-toi toute la gloire qui t'a mérité, Seigneur, et louer ton saint nom. Demande ta bénédiction dans ce moment-là. Invite le Saint-Esprit pour conduire nous et pour diriger nous afin que tout ce que nous faisons en œuvre ou en parole nous fasse vivre pour la gloire du Père. Couvre ce moment-là et le live streaming par le sang de Jésus. Accorde ton serviteur la grâce, Seigneur Dieu, pour conduire le peuple dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Ta parole est prêchée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous prions pour l'onction qui descend dans la vie de ton peuple. Merci pour ta protection dans nos pays. Merci pour ta protection dans ma famille, Seigneur Dieu, de ce pays, dans mon habitant, dans ma maison, dans tout mon lieu. Nous faisons la confiance que les dieux qui sont avec nous. Et donne-nous la promesse qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci pour ce beau moment. Qui nous demande toi, ta bénédiction. Merci pour les vies qui peuvent toucher la gloire de l'Éternel qui descend dans ce lieu. Oh, confirme ta parole ce matin. Accomplis ton œuvre dans notre vie. Alléluia. Manifeste-la ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Donne-toi toute la gloire. Nous connaissons de Dieu, ton grand. À peine à personne comme un bon Dieu. Alléluia. Tu es infiniment grand. Merci pour le sang de Jésus qui est versé pour nous sur le bois de la croix. Alléluia. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la guérison de notre âme. De toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous prions. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Soulève la main et nous dit Alléluia. Merci Seigneur. Voilà nous pour rendre un moment d'adoration, que nous sommes capables d'adorer le Seigneur, alléluia, et pour conduire un moment avec ma chambre d'adoration, et nous sommes capables de chanter de tous les cœurs, alléluia. Bonne vie vivant de trop, merci Seigneur. Bonne vie vivant de trop, l'éternel, pour adorer toi. Laisse-nous y aller ensemble. Vivant au trône éternel, pour moi nous toi. Mon vie vivant au trône, vivant au trône éternel, pour moi nous toi. La belle, les cœurs ouverts, pour vivre
libère toi. Oui, beau désir, oui, beau désir, c'est à nous, toi. Par vos louanges, sois glorifié. Oh mon Dieu, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur pour l'éternité. Mon lui divin tout trône, le soutien ensemble. Et divin tout trône éternel, pour moi nous toi. Merci Jésus, mon lui divin tout trône éternel, pour moi nous toi. L'imbébé, soulevez-vous l'imbébé, l'imbébé, les cœurs ouverts, ouvert à toi. Oui, beau désir, oui, beau désir, c'est à nous, toi, éternel. Par vos louanges, par vos louanges, sois glorifié. Oh mon Dieu, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, pour l'éternité, la bébé. L'amour élevé, les cœurs ouverts, vivez à toi. L'amour élevé, les soins d'or, l'amour élevé, les cœurs ouverts, vivez à toi. L'amour élevé, le Seigneur roi dans toi, l'amour élevé. Le cœur ouvert, oh, vivre toi. Alléluia, l'amélévé. Le cœur ouvert, oh, vivre toi. Et si tu avais moi de Jésus, alléluia. Oh, Ramachette, merci Seigneur sur la terre. Oh, l'amélévé, les cœurs ouverts. Nous vivons vers toi sur la terre. Nous adorons toi. Nous glorifions toi. Alléluia. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre. Vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Manifeste ta puissance.
au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Alléluia, oh oui, c'est dans nous voulons vivre ta puissance, Seigneur. Oh, parle de ta puissance, Jésus. Alléluia, oh Seigneur, merci, Papa. Oh, laisse-le blâmer, nous donne gloire à Dieu sur la terre. Alléluia, nous sommes cette génération, frères et sœurs, qui vous parle de la puissance de Dieu, qui vous vive et qui vous trouve manifester la puissance. Alléluia, oh de notre Dieu. Alléluia, saisis-vous, merci, ses mains, qui la vérité, tout ça est guéri. Lavé, saisis pour toi d'eau, tiens-moi dans la peau, n'a pas être pareil, qui me poursuit, ou même ça c'est mal. Vous savez qui guérit, vous savez qui a fait la paix, saisis vos cadeaux, ou tiens-moi dans l'amour, n'a pas être pareil. Vous suivez, n'a pas être parlé, qui me poursuit, quel motif vous était, motif vous était, dans Saint-Lémon, sans la grâce, abandonné. Tiens-moi dans l'amour,
Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, Seigneur, adore-toi. Merci qui nous file comme toi. Merci qui toi te choisis à nous. Alléluia. Nous sommes tes enfants, le troupeau que ta main conduit, ô Dieu. Bénis tous nos frères et sœurs ce matin dans ce moment de culte. Alléluia. Nous prions que la gloire du dessein de ma vie. Nous prions qu'il te manifeste la puissance de ma guerre. Alléluia. De secourir ton peuple. Donc, Seigneur Dieu, alléluia, combler par la vie. Merci pour ton Saint-Esprit, ce matin qui est à l'œuvre, dans nous la vie et dans ce pays. Alléluia. Oh, Santa Rababababa, lève la main d'or, Seigneur. N'amène la personne pour ma nous, mon Dieu. Des arrivés pour ma vraie adorateur, par ton bon esprit en vérité, le trouble lesquels nous comme nous pensons, alléluia, rien n'est caché devant toi, papa, bénis ton peuple sur la terre, alléluia, oh, dans un moment-là, visite-nous, alléluia, console ma guerre, alléluia, puis faire de l'habitation de la vie, Jésus, alléluia. Que ton Saint-Esprit nous conduit sur la voie droite, alléluia. Que nous capables toujours, alléluia, à cette lumière de Christ en nous. Seigneur, merci pour la grâce qui nous vient nous ce matin. Donne-toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, loué, sainté, glorifié. Merci Père. Dans le nom de Jésus, alléluia. De toi, toute la gloire ce matin, Seigneur, ton Dieu, ton grand, ton bon, ton merveilleux, alléluia. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Lève la main, nous avons dit merci ce matin, Seigneur. Remercie-toi pour tout ce qui te fait dans la vie. Nous glorifie-toi, nous magnifie ton Saint-Nom. Nous bénis-toi en ce jour, Seigneur, et nous prions qu'il nous la vive toujours, d'y ressembler le Christ, alléluia. Seigneur Dieu, dans tout ce qui te appelle nous pour faire, demande-toi, bénis ton peuple. Merci pour ta parole qui peut être prêchée ce matin. Seigneur, merci pour l'onction qui accompagne ta parole et te touche les cœurs de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, encore une fois, mon salut à tous dans le nom de Jésus. Et nous finissons un moment d'adoration, alléluia, et adore le Seigneur, il est toujours merveilleux, amen. C'est une petite chose qui me content faire, alléluia, c'est adore le Seigneur. On rappelle à l'époque qui est, nous dit, son leader à l'église, conduit à l'église dans la louange, dans l'adoration, alléluia. À l'époque, nous dit, musicien, jouait la musique à l'église, et un moment, conduit à l'église dans la louange, dans l'adoration. Et me prend plaisir pour cela, alléluia, avec la grâce de Dieu, pour servir le Seigneur encore dans sa ministère-là, et pour capable adorer le Seigneur, amen, alléluia.
Dieu, il cherche les vrais adorateurs. Alléluia. Le Seigneur bénisse autres et merci qui autres là. Voilà, nous trouvons un nom de bonne personne. Alléluia. Qui peut afficher ici, vous pouvez avoir l'occasion, si vous nous un poème, un petit peu loin à l'écran. Alléluia. Le Seigneur bénisse autres, m'apprécier qui autres là, avec la famille, d'une période de cyclone. Et nous capables de dire merci, Seigneur, qui ne fait pas cette bonne nuit. Alléluia. Tu as un bel dimanche soir. Alléluia. Amen. Mais quand même, nous capables de dire le Seigneur qui fait nos grâces, protège nos pays. Ce que nous besoin, c'est la pluie. Nous pas besoin d'un dimanche mort, nous pas besoin d'inondation. Nous pas besoin d'une catastrophe, mais nous besoin, c'est que Dieu fait promettre nous pour de nous, alléluia, et nous avec Jésus en sécurité. Et vous priez, nous prier pour autres, nous prier vendredi dans nos réunions prières que nous tiennent, alléluia, pour le passage du cyclone dans ce week-end, pour qui et tout passe bien par la grâce de Dieu, alléluia. Le Seigneur bénisse autres ainsi qu'il nous demande de notre famille et nous connaît le pécor de la foi que très bientôt. Ne pouvons pas retrouver nous dans nos assemblées. Amen. Voilà, nous voyons pour vous autres la parole de Dieu ce matin. Et comme nous finissons d'annoncer pour le programme de l'Église, nous comptons bien qu'aujourd'hui et le 20 février, le pays débute, commence une semaine de jeûne et de prière. Amen. Alléluia. Le jeûne et la prière, ils font partie de la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Ne pas capable d'église cela, ne pas capable refuse cela, ne pas capable mettre de côté mon frère, ma sœur, ça même bon Dieu qui cause de la prospérité, ça même bon Dieu qui parle nous sur le succès, ça même la Bible qui parle nous sur la bonne santé, c'est cette même parole qui parle nous sur le jeûne et la prière. Et Jésus-Christ, le plus grand modèle, Jésus-Christ, le plus grand follower, alléluia, celui qui nous suive, c'est Jésus, amen, alléluia, oh, amen, amen, et Jésus fit de nous l'exemple, amen, nous sentons Jésus de même sa chemin, la vérité, la vie, Jésus le plus grand modèle, amen, si tu as envie d'imiter quelqu'un aujourd'hui, imite Jésus, amen, comment nous sommes capables d'imiter Jésus, c'est quand nous lire la parole de Dieu. Nous trouvons la vie de Jésus, nous trouvons comment Jésus finit par courir la terre. Et aujourd'hui, nous sommes capables d'imiter le Christ. Cette génération-là, parfois, nous peut imiter beaucoup, ben acteur, ben footballeur, ben star, ben Jimoun Kilo la télévision, mais mon courage, ben jeune, alléluia, imite le Seigneur Jésus. Vine un homme de prière, vine une femme de prière, vine un quelqu'un qui contemple le Seigneur, qui prie, bon Dieu, qui donne ce détente, et à chercher la face de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Alléluia. Alors, et aujourd'hui, nous débutons une semaine de jeûne et de prière. Et beaucoup parmi vous ce matin sur la prière. Amen. Alléluia. Et vous rappelez au début et de mon ministère, surtout dans le ministère pastoral, et servir le Seigneur aussi dans la prédication. Amen. Au début, quand mon fait commence, prêche la parole de Dieu. Parmi l'encouragement qui m'a dit recevoir, on rappelle de ma chrétien, de ma serviteur de Dieu. On rappelle que c'est un serviteur de Dieu qui tient à moi une parole. Et mon fingant, cette parole est livrée. Alléluia. Et finalement, comme cela, c'est une prédication qui te besoin tous les temps, rappelle l'Église. C'est un message et qui tout le temps te besoin, rappelle le peuple de Dieu. C'est le message sur la prière. Amen. Vous rappelez cet homme de Dieu, dit à moi comme cela, chaque 3 mois, prêche sur la prière. Parce que c'est un message, c'est une parole que l'Église tous les temps a besoin de rappeler. Amen. Alléluia. C'est la prière. Et c'est vrai, frères et sœurs, mon fils remarquant au fil des années, au capable de tout mon équerre, alléluia, que c'est vrai, c'est vrai. C'est une parole qui nous chrétiens, c'est un message, c'est un sujet dans la Bible qui nous chrétiens, nous besoin tous les temps être rappelés tout le temps et nous besoin continuellement entendre cette parole. C'est le message de la prière. Dis ensemble avec moi la prière. Ou bien si vous êtes capable d'appeler
Et l'ose comète écrire la prière. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ne pas fatiguer, entendre le message sur la prière. Amen. Toute la Bible est couverte sur la prière. Et bien pourtant, mon frère, ma sœur, pour qui nous capables, prier le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes contents, nous regardons cette parole de Jésus concernant la prière. Peut-être ce verset est familier, ce verset nous connaît bien, mais laisse-nous rappeler nous-mêmes de cette parole de Jésus. Amen. Moi, invite ouvert de la Bible dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Matthieu, le chapitre 6, Matthieu, le chapitre 6, le verset 6, gloire à Dieu, voilà. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, mon Père Élie, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Je vous prie. Père, nous bénis-toi pour ta parole ce matin, Seigneur. Et nous prions pour que ton esprit ce matin éclaire-nous sur cette parole de l'Écriture, afin que ton peuple ne soit pas dans l'ignorance, mais dans la connaissance de la vérité. Seigneur, pour nous applique-nous la foi, pour nous exercer, Seigneur Dieu, ce que tu en appelles nous pour nous faire, Seigneur, et pour trouver un résultat dans nous la vie et pour une bénédiction pour les uns et les autres. Merci pour ta présence dans ce moment. Touche-nous les cœurs à travers la prédication de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Reste avec moi dans ce moment de la parole de Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, et comme on fait le dire au départ, et la prière, c'est un sujet très important. Amen. Toujours et comprends-lui comme cela, frères et sœurs. Alléluia. Amen. La Bible les remplit et avec des hommes et des femmes comme nous. Amen. Qui priaient, ce même Dieu qui nous fait prier. Et bon Dieu, fin exauce de la prière et lit. La Bible pour nous était un homme de la même nature que nous. Amen. Il fait prier le Seigneur pour un besoin. Et Dieu, alléluia, fin amen. Et bonne réponse. Ce matin, pas contre ton combat, ou pas contre ta difficulté, ou pas contre peut-être la souffrance qui te fait traverser. Mais la prière ce matin, et les points mène-toi pour te trouver bon Dieu. Intervenir dans toute la vie. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, pas découragé ce matin dans toute la marche avec Dieu. Si peut-être te prier et te dire, frère, mais mon papa trouve n'en est arrivé, pas découragé ce matin, bien-aimé, mais persister dans la prière. Être quelqu'un qui priait avec une fermeté sans cesse et Dieu l'hypoclate sur la gloire dans toute la vie. Amen. Le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7 de ce livre de Matthieu, c'est le sermon sur la montagne. Trois chapitres bien riches. On peut pas dire que Jésus lui parle d'un grand sujet de la Bible. Alléluia. Là, la foule est financisée. Et là, sur la montagne, ma disciple là, et là, Jésus, lui, bien, saint,
Amen. Un grand sujet que Jésus lui peut parler. Vous êtes capable d'y aller après chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Et parmi tous ces mêmes sujets que Jésus peut enseigner, il peut parler sur le pardon des offenses, il peut parler sur et comment nous besoin vaincre l'inquiétude, il peut parler comment nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Les pépins, l'eau, un grand sujet qui est très très important, frères et sœurs, je ne suis pas capable de trouver, mais parmi tout ce même sujet-là, Jésus parle sur la prière. Amen. On dit, si nous, servis de Dieu, nous sommes capables de prêcher sur la prière et aussi de mettre en pratique dans nous la vie, c'est parce que nous maître, Jésus, nous master, les filles prêchent. Les filles enseignent et les filles mettent en pratique dans son propre la vie. Jésus ne vient nous faire une chose qu'il lui-même ne pas nous faire. S'il vient nous dit prier, c'est parce qu'il lui-même lui prier. Amen. Et là, Jésus lui enseigne lors de la prière, chapitre 6, je vais lire avec vous, alléluia. Et là, dans le verset 6, je voulais faire l'exposé de ce verset 6, qui est un verset très riche, un verset qui est long, un verset qui a plusieurs virgules, et un verset qui a plusieurs points là-dedans, qui nous capable, et ensemble avec vous, et souligner, comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Laisse-nous la main nous dire Alléluia. Amen. La Bible dit nous comme cela, Jésus dit, mais quand tu pries, Amen. Ici, Jésus va dire, si tu pries, non, il dit quand tu pries. Amen. Alléluia. Pour montrer-nous ici, frères et sœurs, que la prière, ce n'est pas une option. Mais la prière pour l'enfant de Dieu, c'est une obligation. Nous dire Amen. Alléluia. Si la Bible dit à nous comme cela, mais si tu pries, veut dire nous capables de prier et nous capables de pas prier. Veut dire la prière devient une option dans nous la vie. Quand nous ne sommes pas capables d'opter pour la prière et opter pour l'autre petite chose. Mais ici, il n'est pas dit à nous, et si tu pries, il dit à nous quand tu pries. C'est-à-dire, prenez le moment que nous pouvons prier, prenez l'heure de la prière, prenez le moment que nous pouvons crier vers nous, papa. C'est-à-dire, frères et sœurs, la prière, c'est une option. Amen. Aujourd'hui, la vie composée avec beaucoup d'options. Amen. Et il y a beaucoup d'options, surtout avec l'évolution dans cette génération qui nous était aujourd'hui, et il y a beaucoup d'options. Nous capables d'opter et pour telle qu'il sont, nous pas laisser là, nous opter pour ça. Amen. La vie, il y a beaucoup d'options. Je comprends ce qu'il peut dire. Alléluia. Mais qu'il s'agit de la prière, l'enfant de Dieu nous faisait comprendre que la prière pour nous, c'est une obligation. Alléluia. Amen. C'est une obligation. Nous l'appelons pour prier le Seigneur. Nous l'appelons pour trouver le temps pour prier mon Dieu. Nous l'appelons pour veiller nous la vie de prière. Nous l'appelons pour participer à un moment ou à une réunion de prière. C'est ça l'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça puisqu'il y a une obligation pour nous. Nous l'appelons pour participer à un moment Moridiali et à une réunion de prière, frères et sœurs. Alléluia. Il est très important cela dans le nom de Jésus pour qui est nous capables. Alléluia. Merci Seigneur. Et prier est important pour nous. Reste dans cet esprit de prière, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alors, la prière, c'est pas une option. La prière, c'est une obligation. Aujourd'hui, si tu délaisses de la vie de prière, c'est peut-être te dire, frère, moi, moi aussi, je lis la Bible, moi, pas prier. Non, mon frère, ma sœur, nous aussi, besoin de prier. On explique ça comme cela avec ma nouveau converti. La Bible, c'est bon Dieu cause avec nous. Mais la prière, c'est nous, nous cause et bon Dieu. M'aurait déjà dit. La Bible, c'est bon Dieu cause avec nous. À chaque fois qu'il nous bénit à la Bible,
Et nous besoin d'aller comme Dieu fait cause avec nous. Mais quand moi me prier, c'est moi qui fait cause avec bon Dieu. Et la multiple façon pour Dieu cause avec nous. Bon Dieu cause avec nous par la voix audible. Bon Dieu cause avec nous par le sang, par une prophétie. Mais à la base, premier point que Dieu cause avec nous, c'est à travers son parole. Parce qu'il est de nous son parole, frères et sœurs. Alors, ça, tout est trafic là, besoin là. Ça, deux chemins là, besoin là. Le pas qu'à seulement nous, nous pouvons laisser bon Dieu cause avec nous, mais nous pouvons faire cause avec lui. C'est pour cela, Jésus, ici, sur l'enseignement, il dit, quand tu pries, alléluia, amen, et le moment, amen, qui nous besoin considère la prière, alléluia. Quand nous regarde, et Pierre et Jean après la Pentecôte, les apôtres chapitre 2, et le Saint-Esprit, il descend, rempli du Saint-Esprit, c'est là, et la manifestation de la puissance de Dieu, frères et sœurs, quand, et nous lire dans les apôtres chapitre 2. Mais regarde à des apôtres chapitre 3, comment il commençait, verset 1er, à des apôtres chapitre 3. Amen. Pierre et Jean, ils ont fini de recevoir sa puissance, sa l'onction, le Saint-Esprit, ils ont fini de parler de ma nouvelle langue. C'est là une manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Et regarde chapitre 3, comment il débutait. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alléluia. Je paie ensemble au temple à l'heure de la prière. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit en nous pour aide-nous pour prier. Amen. Alléluia. Pierre et Jean ne sont pas satisfaits seulement de recevoir le Saint-Esprit assez maintenant. Amen. Nous capables de tout ce qu'il en a pour faire. Non. Je reconnais que la prière, c'est une obligation. Pourtant, à des apôtres, chapitre 1er, je dis dans la chambre haute, puis prier, puis attendre et l'effusion du Saint-Esprit, puis attendre la puissance du Saint-Esprit. À des apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit descend. À des apôtres, chapitre 3, je paierai tout au temple à l'heure de la prière. Alléluia. Amen. Avant et après, je dans la prière. Pour montrer nous qui m'en pentecôtiste, qui vient recevoir le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous besoin considère nous un moment de prière. Nous besoin reste devant la face de Dieu. Alléluia. Si tu es un jeune content prier le Seigneur, si tu es un sacrificateur, un époux dans toute la case, amen, veille sur la vie de prière de ta maison, mon frère, alléluia, amen, si tu es une épouse dans la maison, tu es une maman, amen, vine, une femme de prière, ma sœur, dans le nom de Jésus, lève-toi pour toute la case, lève-toi pour la vie de tes enfants, pas sommeiller, pas dire, oh, ça c'était l'époque de Jésus, non, mais quand tu pries, la prière c'est une obligation, avant la Pentecôte, après la Pentecôte, les disciples, je péché à Dieu dans la prière. Amen. Alléluia. Alors, la prière, c'est une obligation. Amen. Et Jésus lui dit, mais quand tu pries, maintenant, entre dans ta chambre. Alléluia. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alléluia. Entre dans ta chambre. Amen. Et si Jésus n'y peut pas du lieu secret, n'y peut pas ce terme qui nous dit en anglais private prayer, la prière en privé, la prière dans le lieu secret. Chaque enfant de Dieu nous besoin et a un lieu secret. Nous prier avec la famille, nous prier avec nos époux et nos épouses, nous prier avec les enfants, nous prier avec l'église, nous prier avec ma frère, ma sœur, nous prier avec ma ancien, nous prier avec et ma collègue, nous prier avec les uns les autres, mais nous aussi besoin. Et n'a en la vie de prière seule, en la vie de prière en secret. Quand il peut dire, frères et sœurs, ici, entre
ta chambre, alléluia, l'hypécos, ça seul avec Dieu. L'hypécos ici, ça lieu secret, pour ce qu'il dit après, et prie ton père qui est là dans le lieu secret. Ça entre dans ta chambre, il explique ça lieu secret, alléluia. Dans le lieu secret, et la banquitso, secret qui traverse. Amen. Chaque enfant de Dieu, nous besoin et n'a un lieu secret. Alléluia. Amen. Nous besoin et n'a sa hidden place. Nous besoin et n'a sa lieu caché. Alléluia. Quand nous capables exprimer nous, quand nous capables confesser. Amen. Nous la vie devant le Seigneur. Alléluia. Des fois, quand nous prions en public, amen, montez pour qu'on fasse quelque chose devant Dieu. Mais dans nos lieux secrets, entre dans ta chambre, veut dire un lieu secret. Quand on regarde la Bible, frères et sœurs, la Bible montre-nous que Jésus, l'étial dans le désert, puis il a prié. Amen. La Bible nous, quand tu encore fais sombre le matin, l'étial levé, l'étial prié. Amen. L'étial sur la montagne. L'étial dans le désert, quand tu encore fais sombre, veut dire, c'était ce lieu secret. Moïse, tu montes sur la montagne, alléluia. Le peuple de Dieu, tu dans la chambre haute, alléluia. Toi, te compte de lieu secret, amen. Dans les Apôtres, chapitre 10, Pierre, tu montes sur le toit pour prier, alléluia, amen. Chaque enfant de Dieu, nous besoin maintenant, maintenant, un lieu secret. Alléluia. Si peut-être tu n'as pas fini là, un lieu secret dans toute la vie, mon frère, ma sœur, il est important maintenant, aujourd'hui, pour te considérer, pour te donner un lieu secret avec Dieu. Amen. Pour te capable entre dans ta chambre, côté dans l'histoire, et bon Dieu. Alléluia. Personne ne peut entendre ce qui te peut dire. Et personne, papé, entende ce qui toi te pétendait. Alléluia. C'est le lieu que là t'ouvres tous les cœurs. Te dévite toi-même devant le Seigneur. Des fois, dans ce moment-là, nous pleurer. Des fois, dans ce moment-là, nous crier vers mon Dieu. Des fois, dans ce moment-là, nous implorer la miséricorde de Dieu. Des fois, dans ce moment-là, il y a une parole, alléluia, qui sortit. Amen. Alléluia. Et là, quand nous exprimons-nous devant le Seigneur, peut-être devant nos époux, devant nos épouses, nous ne pouvons pas faire cela, devant les gens, devant le monde, mais dans ce lieu secret. Jésus, enseigne-nous ici, quand nous, enfants de Dieu, nous besoin et un lieu secret. Alléluia. Amen, amen. Dans Jérémie, frères et sœurs, chapitre 33, amen. Alléluia. Le verset est 3. Regarde ce qu'il habite, tiens-nous. Amen. Et là, tu n'appelles ça, ce verset-là, Jérémie 33, 3, c'est le numéro de téléphone de Dieu. 3, 3, 3. Amen. La Trinité, amen. 33, 3. Quand il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Amen. Souligne ce mot-là. Chose cachée que tu ne connais pas. Amen. C'est dans sa lieu secret. C'est dans sa lieu caché. C'est dans sa secret place que Dieu pour révéler toi bonne chose cachée. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma sœur. Et la Bible dit nous, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, considère cela. Nous besoin sa quiet place, nous besoin sa place tranquille, quand nous avec le Seigneur. Aujourd'hui, le monde est un trop grand bruit, il y a trop grand bruit, frères et sœurs, mais il est très important pour nous capables seul avec Dieu. Vous ne pouvez pas connaître quel moment de la journée tu es capable de trouver à cela. Peut-être tout le matin ou tard le soir, ou bien le moment de la journée, peut-être toi,
et comme un enfant à l'école, ou bien toi, épouse, toi, à la maison, quand, et le mari, finalement, au travail, tu es seul avec Dieu, tu peux crier vers mon Dieu pour te foyer. Ce matin, mon courage, toi, alléluia, il est très important pour nous capables de rentrer dans sa lieu secret, pour nous capables de rentrer dans la chambre, alléluia, amen, et nous crier vers mon Dieu, amen, et Dieu est là pour éclater sur la gloire de la vie. Et regarde ce que Jésus dit, amen, toujours dans nos versets qui nous peut méditer ce matin, nous prier qui je peux suivre la réunion, amen. Jésus maintenant lui dire, quand tu rentres dans toi la chambre, tu connais toutes les choses qu'il écrit dans la Bible, pas l'écrire parce qu'il ben, l'auteur là, pas tu connais qui peut dire, allons je vais l'écrire. Non, tout détail est important. Alléluia. La Bible, c'est un merveilleux livre. Tout ce qui finit écrire nous souligne. Amen. Au fait, parfois, nous souligne, ben, merci, mais c'est que là, si on a pour souligner, nous avons souligné toute la Bible. Amen. Parce que la Bible est vraiment merveilleuse. Et Jésus lui dit, quand tu finis rentre dans ta chambre, qui te faire? Ferme la porte. Alléluia. Amen. Là, que vous étiez. Amen. La porte est fermée. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Ferme la porte. Amen. Qui ferme nos besoins, ferme la porte. Quand ici, les pécos ferment la porte, frères et sœurs. Alléluia. Bon, vous servez un mot ce matin, et moi, j'ai content de répéter ce mot-là avec moi. C'est ce qu'il m'appelle intimité. Amen. Est-ce que je suis capable de dire intimité? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Permettez-moi de cette parole avec beaucoup de respect. De nous comprendre quand maman, papa, rentre dans la chambre, ferme la porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Intimité. Pareil comme l'époux et l'épouse. Amen. Je tenais une intimité. Rappelle bien qui nous étions. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Christ est l'époux. Nous, nous sommes l'épouse. L'époux est l'épouse. Comme Jésus ici, il peut dire, ferme la porte. Alléluia. Amen. Il veut dire, l'ipéco, sa intimité. Amen. Là, besoin est dans sa intimité. Quand cantique des cantiques, le livre des cantiques des cantiques, quand sa amoureux-là, il exprime son amour. Alléluia. Envers celui qui est content. Amen. Les diables cherchent celui qui me content, m'ont pas fini de trouver, mais m'ont poursuivi, m'ont continué chercher, jusqu'à ce qu'ils m'ont trouvé. Alléluia. Amen. Et là, une intimité. Alléluia. Et là, une intimité. Ferme la porte. Alléluia. Ferme la porte. Très important, mon frère, ma sœur. Quand nous pécons cette intimité, frères et sœurs, nous pécons qui en dents, bisez pas al, des hauts. Et des hauts, bisez pas rentre en dents. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Là, que vous mettez maintenant, vous le fermez la porte. Parce qu'il vous parlez, et vous le fermez la fenêtre aussi, parce qu'il vous parlez, ça va le bruit du vent, la pluie interrompt sa live là. Amen. Vous parlez des hauts, rentre en dents. Amen. Alléluia. Amen. Et vos palais aussi, quelque part, dérange les autres. C'est pour cela que vos palais aussi laissent en dents à des hauts. Et même intimité quand nous ferme la porte. Et la même chose qui nous peut dire, mon Dieu, qui les autres besoin d'attendre. Et la même chose qui, mon Dieu, pour communiquer avec nous, qui peut-être personne n'a besoin d'entendre, ou bien tu veux pas encore prêt pour t'aider ce qui, mon Dieu, peut dire à toi. Des fois, il y a quelque chose qui, mon Dieu, peut dire à toi. Ton prochain n'est pas encore prêt pour t'en ça. Alléluia. C'est pour cela, des fois, pas comment nous gagnons quelque chose de Dieu, nous n'est dire ça du monde. Parfois, nous disons, rassure-nous avant de nous dire ça du monde. Par bon Dieu, il dit à toi, pas il dit à lui. Amen. Si tu trouves que tu as besoin d'y aller, attends un moment pour que le Saint-Esprit, il amène une conviction dans ton cœur pour te communiquer cette parole aux autres, peut-être à la personne le plus proche de toi. Parce que qui connaît, lui, n'est pas encore prêt, amen, pour
et entendre cette parole, comment Joseph tiguait sa rêve, et quand on vous étoile des prosternés, ah là là, vite, vite, il y a le diable sur mon frère. Ah, comment il y a le diable sur mon frère? La guerre, les vies. Maintenant, j'ai dit, quoi, nous qui nous une prosterne devant toi, comment il y a une guerre sur mon là? Il est encore jeune, et tout, il est excité, il est content, il a comme il dit ça sur mon frère. La guerre, les vies, problème, les vies. Maintenant, fin, maintenant, fin, tiens, l'on dit. Des fois, mon frère, ma soeur, dans cette intimité, bon Dieu, est de tout seul dans cette parole. C'est pour cela, il est très important, amen, pour nous capables de rester dans cette intimité. C'est là, frères et sœurs, quand nous dire bon Dieu, quand nous dire Jésus, je t'aime, alléluia. Quand nous dire le Saint-Esprit, mon compte en toi. Saint-Esprit, mon adore en toi. Saint-Esprit, mon compte en toi. Cette intimité, il est très important, alléluia. Amen, pour nous développer cette intimité avec nous, bon Dieu. Lui-même, et Jésus lui-même, l'époux, amen, et nous l'épouse. Bon Dieu, il n'est pas nous beau-père, mais bon Dieu, il est nous papa. Alléluia. Amen, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il est important pour l'Église nous rendre dans ce moment-là. Aujourd'hui, qui fait aussi, besoin ferme la porte et il y a trop beaucoup de distractions. Nous dire distraction. Amen. Et il y a trop beaucoup de distractions. Parfois, quand nous devons prier, téléphone sonner. Parfois, quand nous devons prier, les enfants vivent dîner. Parfois, quand nous devons prier, les messages peuvent rentrer. Parfois, quand nous devons prier, ça, et voisins qui parlent trop nous depuis longtemps là, les ont dit, c'était la même libéro de nous. Parfois, quand nous devons prier, la même. Et le monde de nos familles, bien vis à nous. C'est pour cela, Jésus dit, dans ce moment, dans ce lieu secret-là, ferme la porte. Ferme la porte, évite distraction. C'est même qu'il chose aujourd'hui que l'Église nous trouve, nous, frères et sœurs. Beaucoup de distractions aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de distractions, ils vont tout le temps dire ça. Une de ma stratégie du diable, une de ma stratégie de l'ennemi, c'est distraire toi. Amen. C'est à propos d'une distraction dans toute la vie. C'est pour cela aujourd'hui, tu as besoin d'autogarde. Tu as besoin bien prudent et veille l'auto la vie de prière pour qu'il n'en ait pas distrait à toi. Alléluia. Satan, ce but, c'est tiens-toi, mon frère, ma soeur. Satan, ce but, c'est à propos d'une distraction pour te capable pas entendre la voix de l'Esprit, alléluia, amen. Regarde ce que la Bible dit à nous, amen, dans Ésaïe chapitre 50, alléluia, amen. Le verset 5, le verset 4 et 5, Ésaïe 50, le verset 4 et 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen, alléluia, amen. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, montrez-nous que chaque matin, bon Dieu, l'éveil, deux fois il dit ça, nous aurait, pour nous capables, écoute, comme écoute ses disciples, alléluia. Dieu fit de nous la langue exercée, pour nous capables soutenir ceux qui abattent. Bon Dieu, pas de nous la langue, pour nous faire palabre, pour nous jeter nos frères, pour nous jeter nos sœurs, pour nous critiquer celui-là, celle-ci, non. Dieu parle de nous, cela nous donne la langue pour soutenir. Tous les temps, rappelle ça, frères et sœurs. Bon Dieu, puis nous donne la langue pour soutenir. Dis ensemble avec moi, bon Dieu, nous donne la langue pour soutenir. Alléluia. Pas pour abaisser un démon, pas pour jeter un démon en bas, pas pour dénigrer ou mépriser quelqu'un, mais pour soutenir, pour lève cette personne dans la foi, encourage-lui dans le nom de Jésus. Et nous finis. Éveille tes oreilles chaque matin. Éveille tes oreilles pour être capable d'écouter comme écoute chaque disciple. C'est pour cela, dans ce lieu secret,
quand on rentre dans cette intimité, alléluia, quand on rentre dans cette intimité, de comprendre qu'il m'opé dire, amen, alléluia, amen, quand on rentre dans cette intimité, de oublier tout, amen, là, tu es tout seul avec Dieu, amen, et bon Dieu, libérez tes oreilles, pour te capable d'écouter sur la voix, alléluia. Alors, frères et sœurs, Dieu l'est, Dieu parlait, qui nous tombe dans ma distraction. Mon Dieu parlait, qui nous distrait, alléluia. Amen. Cette intimité. Faire attention à ma distraction. Veille à ma distraction. Ferme la porte. Ferme la porte, alléluia. Ferme la porte, alléluia. La Bible peut dire ça aussi dans le livre Ésaïe, chapitre 26, le verset 20. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Amen. Alléluia. Amen. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi et cache-toi pour quelques instants. » Alléluia. Cette intimité. Amen. Besoin là. Amen. Parce que pas tout du monde, frères et sœurs, comprend bien, m'aurait dire cela. Pas tout du monde pour comprendre ce qui toi te peux comprendre. Amen. On trouve ça des fois dans l'évangile. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà. On trouve ça des fois dans l'évangile. Des fois, quand Jésus te rentre dans ma place pour guérir mal malade, il se demande tout le monde du monde pour sortir, comme il comme ça. Quand je suis allé pour guérir la fille de Jairus, il demande tout le monde du monde sortir. Et il se rentre ensemble avec son disciple. Amen, alléluia. Des fois, ben, du monde pas pour comprendre ce qu'il te peut faire. Ben, du monde pas pour comprendre ce qu'il te peut dire à ton bon Dieu. C'est pour cela qu'il dit ferme la porte. Alléluia. Rentre dans cette intimité. Parfois, l'incrédulité des autres capable de tuer le miracle de Dieu qui peut opérer dans toute la vie. C'est pour cela, ferme la porte. Parfois, des paroles qui te peuvent dire, dis-moi, si t'as ça, peut-être comme ça, te croire, ça peut arriver, te croire, c'est qu'il devait dire. Mais toi, tu as la foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Si on dit, tu vas t'en un miracle, tu vas t'en l'impossibilité, l'impossible dans toute la vie. Mon frère, mon soeur, avec Dieu, cela est possible. Alléluia. Peut-être le monde vous donne ça pour dire, mais t'es fou. Le monde vous donne ça pour dire, mais ça m'est fini arrivé. Mais mon frère, ma soeur, manque l'histoire aujourd'hui. Entre dans ta chambre, crie vers mon Dieu et laisse l'impossible, l'impossible dans toute la vie, dans le nom de Jésus. Et soulève la main, nous dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous étions d'un point de vue, et révélatrice, sa verset là, sa parole là, ferme la porte. C'est comme si Jésus peut dire, ferme toute la porte qui misère, mais ouvert la porte de tous les guerres. Alléluia. Amen. Dis ensemble avec moi, ouvert la porte de tous les guerres. Amen. Ouvert la porte de tous les guerres, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ouvert la porte de tous les guerres. Gloire à Dieu. Alors ce matin, c'est une obligation. La prière, le besoin d'un lieu secret. Dépend-nous de cette intimité. De la même ce matin, gloire à Dieu. Et regarde ce qu'il dit. Alléluia. Toujours Jésus qui enseigne ici. Mais quand tu pries en ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et pour cela, Jésus est égal en dans ta chambre comme ce lieu secret. Amen. Alléluia. Amen. Lieu secret. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Amen. Jésus, il fait une pièce avec nous. Jésus, sur l'enseignement, il n'est pas contredit à lui-même à aucun moment. Alléluia. Il n'est pas dire priez-moi. Il dit prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Amen.
La prière est toujours besoin d'adresser au Père, dans le nom de Jésus. Amen. D'ailleurs, quand nous continuons dans le verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et là, là-haut, il dit, prie ton Père. Amen, qui est là dans le lieu secret. Quand on regarde Gethsémané, quand Jésus dit dans Gethsémané, il dit, prie au Père. Pourtant, il dit, fils de Dieu. Amen. Il dit, fils de l'homme aussi. Mais il dit, prie au Père. Il dit, papa, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi, mais non pas ce qu'il voulait, mais c'est de volonté qu'il fait. Il dit, prie au Père. Alléluia. Amen. Il dit, prie à son papa. Amen. Et ici, il dit, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Nous, la prière est toujours besoin d'adresser au Père dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La prière, on aurait dit, nous devons adresser à notre Père dans le nom de Jésus. Jésus lui-même, le médiateur, Dieu et nous et les hommes. Alléluia. Amen. Et nous, la prière, les besoins dans le nom de Jésus, les besoins adressés au Père, les dire, prier, alléluia, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Combien connaît Dieu est là. Amen. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Amen. Puisque moi, là, écoute bien. Et la Bible dit à nous, l'écho, c'est le temps du Saint-Esprit. Alors, moi, voilà, le Saint-Esprit, là, et qui Jésus dit à nous? Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, moi, voilà, le Saint-Esprit est une personne, alléluia, et il a, et là où deux ou trois de l'assemblée, Jésus est là. C'est pour cela qu'il dit, et prie ton Père qui est là, alléluia. La petite chantée, il est là, 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 Jésus est là, amen, amen. Il est là, papa là, là, alléluia, amen, amen. Et ça, les merveilleux frères et sœurs, pour comprendre, que Dieu est là. Amen. Même si nous meilleurs amis pas là, même si les autres pas là, même si du monde qui besoin là pas là, n'est pas fait n'ennier. Mais ce qui est très important, papa là, il est là. Alléluia. Amen. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Amen. Parfois, nous disons, frère, est-ce qu'ils vont dire, même pétale-moi, il est là dans le lieu secret. Ce matin, pas laisse le diable embête-toi. Pas laisse l'ennemi de nos âmes amène-toi dans l'ignorance, garde-toi captif. Mais libère-toi aujourd'hui. Quand tu peux prier dans ta chambre, avec de la peau fermée dans cette intimité, quand la porte de ton équerre ouverte, le Saint-Esprit, il est là comme une personne présente. Reconnaître la présence de sa grande bonté. Alléluia. Lève-nous la main, nous dire alléluia. Amen. Ton Père, il est là dans sa lieu secret. Alléluia. Amen. Il est là, frères et sœurs. Ni même nos papas. Et c'est la même qui nous capable de crier, papa. C'est la même qui nous capable de causer, papa là. Alléluia. Il paraît que mes enfants là, finalement, papa là, dans un petit coin. Il n'y a pas de bonnet, il vous a ceci, il vous a cela. Amen. Il amène papa dans un petit coin. Amen. Il ne laisse pas m'attendre parce qu'il soulève, c'est de votre maman. Après qu'il se soit cassé, c'est là, il perd de votre papa parce qu'il connaît papa. Papa connaît s'il fallait le recevoir et il ne pourrait aller encore. Et il demande papa là. Amène dans un petit coin, cause doucement dans ses oreilles, il vous a ceci, cela. C'est ce moment-là, frères et sœurs. Quand nous connaissons, si nous demandons un petit pain, il va vous donner nous un rose. S'il nous donne un poisson, et pas pour donner un serpent. Ça, c'est nous, papa. C'est les films qu'on donne le Saint-Esprit à nous. Est-ce qu'il n'est pas pour donner nous ce qu'il nous a besoin? Amen. Là, c'est le moment pour nous crier vers papa. Alléluia. C'est dans sa lieu secret-là, frères et sœurs. Amen. C'est pas seulement, pardon, Dieu touche nous, mais nous faire comme la femme de la perte de sang. Nous aussi, nous touche Jésus.
C'est dans ce moment-là qu'on nous touche. C'est dans ce moment-là qu'on nous capable touche Jésus. Alléluia. Qu'on nous ressentit sa présence dans nous, la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dire ton Père qui est là dans le lieu secret. Dieu est là. Amen. C'est ce qu'il nous besoin. Rassure-nous, frères et sœurs, tous les temps. C'est la présence de Dieu dans le même moment de prière. Alléluia. Il est là. Et comme le pédémon lit, frères et sœurs, dans le nom de Jésus, et pour nous, c'est qui nos besoins. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, regarde ce que la Bible dit à nous pour nous continuer et puis nous capables de terminer ce moment de la prédication. Il dit encore, et ton Père, maintenant pas seulement qui est là, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Alléluia. Amen. Et dire maintenant, ton Père qui voit dans le secret. Alléluia. Dieu n'est pas seulement l'entend ou la prière, mais il trouve nous. C'est pour cela dans cette intimité-là. Des fois, il y a mal pleur, des fois, il y a mal cri, des fois, il y a mal larme, des fois, il y a l'émotion, des fois, il y a mal. Et façon que nous exprimons nous, Dieu l'y trouvait. Alléluia. Quand Anne est dans l'Ancien Testament, il exprime lui devant ce bon Dieu. Sa souffrance qu'il y tient là, mon frère, ma soeur, qu'il est stérile, quand il n'est pas capable même prier, il faisait remuer ses lèvres. Et lui, tu pensais qu'il était ivre, mais non. Mais Dieu, tu trouvais que cette femme, l'exprime-lui devant ce bon Dieu. Parce que bon Dieu, tu l'as, bon Dieu trouvé, et bon Dieu, il exauce la prière. Parce qu'il dit à ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, libre de toi, c'est qui t'a besoin. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu pour récompense-toi. Alléluia. Bon Dieu, il pour manifester ce qu'il lui promet dans toute la vie. Et Dieu, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Enfin, nos paroles, viens nous dire, frère, personne ne trouve vos souffrances. Personne ne trouve vos combats. Personne ne trouve vos malheurs. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, me l'encourage-toi. Nos bon Dieu, les compte tout, les trouve tout. Alléluia. Amen. La cantique qui nous chantait. Moi, n'aime papa. Alléluia. Tokon, ou la prière. He knows my name. Tokon, ma souffrance. Tokon, ma douleur. Tokon, mon combat. Dieu voit. La Bible nous comme cela dans Exode. Alléluia. On a lié dans les livres d'Exode, frères et sœurs. Et quand Dieu, quand le peuple d'Israël est dans l'Égypte, la Bible nous comme cela dans le verset 7, Exode chapitre 3, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car j'ai connu ces douleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, on trouve la souffrance. On entend nos cris, nos causes, nos douleurs. Dieu est trouvé. L'Éternel ici, il voit dans le secret. Il te le rendra. Et comme on lit ce verset dans la traduction anglaise, il y a un mot qui est la traduction anglaise, et ajouter les séries plutôt, et dans ce verset qui nous pas trop lit dans et la traduction française, frères et sœurs, qui est très merveilleux pour nous capables de trouver ça, alléluia, dire comme cela, et quand nous lire dans la traduction anglaise, les dire une parole, alléluia. Il dit que et God will reward you openly. Amen. Alléluia. Dieu est pour récompense-toi ouvertement. Nous dire ouvertement. Alléluia.
Bon Dieu, pour récompense-toi ouvertement. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia. Comment les merveilleux frères et sœurs pour comprendre cela. Les dire, and thy father which see in secret shall reward you openly. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Les dire, bon Dieu, pour récompense-toi, pour rémunère-toi, pour bénis-toi ouvertement. Alléluia. Ça m'aide-moi pour dire une parole. La prière qui fait en secret et une récompense en public. Alléluia. Private prayer will bring public reward. La prière qui fait en privé, qui fait en caché, qui fait dans le lieu secret, pour une récompense en public. Ce qui te fait s'aimer, on dit, dans ta chambre, dans ton lieu secret, dans cette intimité avec Dieu, pour une récompense en public. Peut-être du monde, c'est vrai, pantante la prière, mais je vous trouve ce qui bon Dieu peut faire dans toute la vie. Lève-toi, la mais prier, alléluia, amen. Alléluia. Peut-être du moule pas trouve de ma norme. Bon Dieu, peut-être du moule pas trouve de ma sœur qui te dépense de la prière. Man, du moule pas trouve. Et quand c'est les dents de l'auto-genou dans cette chambre, et que te lit, que te tapis, te finis à pleurer, te crier vers mon Dieu. Mais il te le rendra ouvertement. L'heure pénible, le jour pénible. Ah, ce moment-là, cette saison du pénible, mon frère, ma sœur. Que tu prennes un public reward. Que tu prennes une récompense. Ouverte, que tu prennes une récompense, que tout dit moule pour trouver. Alléluia, alléluia, amen. C'est ce qu'ils vont dire dans Ésaïe 58, quand nous vous jeûnez et nous vous priez, frères et sœurs. Amen. Que Ésaïe 58, il parle nous sur le vrai jeûne qui nous capable de lire. Et dernier et verset, il dit dans le verset 14, Ésaïe 58, quand nous prenons le vrai jeûne, quand nous pratiquons le jeûne qui Dieu prend plaisir, lui dire, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Mon venant monte sur les hauteurs du pays. Quand nous voulons les hauteurs du pays, amen, je coupe trop toi. Alléluia. Quand mon Dieu t'élève, Joseph, lors dans les yeux, alléluia. Amen, tout le monde t'y trouvait. Même Pharaon t'a testé cela. Même les frères de Joseph, même le père de Joseph, tu viens tester cela. Alléluia. Quand la bouche de l'Éternel à parler, mon frère, ma sœur, ça va un moment de prière dans ta chambre, dans cette intimité, pour même une récompense ouverte. Alléluia. Quand tu vas vous capable cacher, amen. Quand tu vas vous capable cacher sa récompense là, le monde pour dire alléluia, qui bon Dieu fait manifester sur la gloire dans toute la vie. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, et un réseau. Et la multiple raison et la bénédiction pour le capable reste dans la prière avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lève-nous la main et nous dire alléluia. Amen. Et la multiple raison, frères et sœurs, pour nous reste dans la prière. Bon Dieu dit, bon, vous faites un monde chez les auteurs du pays. Bon, la prière ce matin, vos déclarations prophétiques dans cette semaine de jeûne et de prière. Qui bon Dieu peut élever l'église. Bon Dieu peut amener l'église sur les hauteurs de l'île Maurice. Alléluia. Amen. Ceux qui méprisent nous, ceux qui finent abaissent nous par des paroles, ceux qui peut-être finent et mettent nous à part. Alléluia. Je trouve le niveau. Amen. Alléluia. Dans la main de Zorobabel. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous trouve ce qui vont découvrir dans la vie de son peuple. Ce matin, relève-toi, mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Bon Dieu, emmène-toi, l'on les auteurs du pays. Qui connaît dans ta famille, banna fina baisse-toi. Dans ton travail, te finis à baisser. Dans ton environnement, te finis à baisser. Dans ton voisinage, te finis à baisser. Mais le moment, Pébini,
Quand tu prennes un public reward, prenez une récompense ouverte. Alléluia. Prenez une rémunération ouverte. Et mon Dieu, il déclare sur la gloire. Ceux qui méprisent toi, amen, je vous trouve la gloire de Dieu dans ta vie. Ceux qui viennent, évite-toi, je vous commence à invite-toi. Alléluia. Ceux qui rient toi, je vous commence à rire avec toi. Alléluia. Parce que mon Dieu, il déclare sur la gloire dans ta vie. Laisse-les nous la main, nous crier. Alléluia. Amen. Dieu te le rendra ouvertement. Alléluia. Amen. Bon Dieu, les pour récompense sur l'église. Alors ce matin, nous croyons de tous les cœurs qui m'a joué de gloire bénie. Un jour de bénédiction pour l'église. Un jour, alléluia, que le bon Dieu vous manifeste. C'est pour cela aujourd'hui, pas découragé, pas relâché, pas abandonné de la vie de prière, mais reconnaître que le bon Dieu est là, lui-même ton papa et lui-même tout toi. C'est l'enseignement de Jésus. Donc, capable de lire tout le chapitre, tout le sermon sur la montagne, lire toute la Bible, lire tous ces hommes et ces femmes qui priaient. Jésus est de nous l'exemple. Alors, ce matin, c'est une obligation. Tu es pour nous un lieu secret. Besoin d'une intimité. Les présents, là que deux ou trois rassemblés il y a. Et, poina un public reward. Poina une récompense ouverte. Alors, cinq petites choses que nous avons aujourd'hui. Amen. Concernant la prière. La prière, c'est une obligation. La prière, nous besoin tous les temps d'un lieu secret. Nous besoin comprendre cette intimité. Nous besoin reconnaître qui papa là, Lila. Lila. Alors, quand ça même, nous tout le temps dire, quand nous peut ouvrir la bouche pour causer, quel bien qu'il nous peut dire, quel bien qu'il nous peut demander. Parce qu'il papa là, là, pour donner, si tu me demandes pour les blés. Et bien, si c'est un qui te content, attention après 10 minutes, te dire comme ça, non pas blé, ça, zone qui me dit, qui me content. Et bien, parce qu'il papa là, lui, là, pour t'emmener, pour donner-toi ce que tu as besoin. Et cinquièmement, pour être un public reward. Alors, et on appelle ça le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Ils ont dit, nous comprenons qui était ça. La prière, c'est une obligation. Le besoin d'un lieu secret. Nous avons besoin de grandir cette intimité. Lila, alléluia, papa là, là. Et prenant une récompense ouverte. C'est nous la prière ce matin. Que Dieu nous permet une récompense ouverte lors de la vie. Amen. Alléluia. Comme on dit dire dans le livre et d'Ésaïe, peut-être que je vais lire ça avec autres avant qu'il ait terminé. Les dire, alléluia. Les dire au lieu de l'opro. Je prenais une portion double. Au lieu de l'ignominie dans Ésaïe 61, verset 7, je pourrais être joyeux. Alléluia. Laisse-les la main nous dire alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'était la pensée que Dieu fit mettre le moléquaire pour rappeler l'Église, comment on fait dire au départ, sur la prière et surtout, nous dans ce moment de jeûne et de prière. Le Seigneur est béni. Sur parole, et me connaît, je finis. Et recevant les mots, même personne finit écrire sa cinquième chose là ici. Gloire à Dieu, merci, sœur. Alléluia. Amen. Où êtes-nous et où est tout du monde pour comprendre cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les autres capables suivre et comprendre. Laisse tout à fait une grande amen pour Jésus. Toute la gloire et pour le Seigneur. Laisse-nous prier, frères et sœurs, papa, me bénis-toi ce matin. Me rends-toi grâce et me glorifie-toi, Père. Pour de la grâce infinie dans nous la vie. Remercie-toi ce matin pour la parole qui finit d'être prêchée. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, vous priez que cette parole ne puisse germer dans les cœurs. Cette parole, l'époux, Seigneur, crée la foi et l'époux apporte une bénédiction, un encouragement dans nous la vie de prière. Alléluia. Quand Seigneur, ton peuple, nous pas pour relâcher, mais nous pour rester dans la prière, Seigneur. Alléluia. Nous pour fermer la porte, pour comprendre que la prière est une obligation.
Donc, pour comprendre que cette intimité, l'importance, Seigneur, qu'on est qui te l'a et qu'on a une récompense ouverte. Nous ne pouvons pas prier en vain, Seigneur. Nous avons heures de prière, l'hypoénat, Seigneur, un public reward. Papa, ce matin, aide-moi pour continuer à prier. Aide-nous, serviteur de Dieu, aide-nous, tes enfants, pour nous capables de persister et persévérer dans la prière. On prie que cette parole, les fines tombe dans la bonne terre. Et Seigneur, qu'il vous porte ce fruit, que de plus petits jusqu'au plus grand, les anciens comme des nouveaux convertis, Seigneur, nous pouvons mettre cette parole de Jésus en pratique. Nous pouvons comprendre qu'appelle le lieu secret. Montrez vos bonnes frères, bonnes sœurs, votre lieu secret. Qu'elles se trouvent un lieu secret. Qu'elles se préparent votre lieu secret, Seigneur. C'est ce qui me demande toi pour nous rendre dans cette intimité. Pour nous donner toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus, de paroles scellées par la puissance du Saint-Esprit. Et soulève la main ce matin. Merci Jésus. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout dit nous ensemble, n'est pas facile, pas difficile, tout dit ensemble. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Laisse-moi l'olie, Alléluia. Oui, tu peux parler comme un ange, santé, Alléluia, clame dans la mantelle. Papa, restaure la vie de prière. Renouvelle la vie de prière. Que l'église de Jésus-Christ dans ce pays, l'évêque sur la terre, l'évêque dans sa morale à prier, combat dans la prière. Qui va les faire face lever et combattre dans la prière. Alléluia. Oh, qui nous capable de lever, combattre dans l'intercession, dans la prière. Ramabondere si kamanto rababababa. Ribesete rebebebebebebebe. Oh, qui nous peuple lever et combattre dans la prière. Alléluia. Merci de présent, de l'option de puissance, de l'envie. Rababababa, chanta rababababa. Oh, nous continuons combattre, 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 combattre dans la prière. Seigneur, vous connaissez la prière, c'est une obligation que l'appelle-nous quand tu pries. Alléluia. Seigneur, que nous capables d'être moment de prière, que nous capables de prier en tout temps en l'esprit. Alléluia. Santa Rab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 a. Oh, que nous capables comme Pierre descend. Alléluia. Au monde de temps, valeur de la prière. Rébébébébébé, canta ramassoto rabababababababa. Sveté, rébébébébébé. Oh, Seigneur, vous priez, que nous capables désirer.
ce lieu secret-là. Oh, que tu commences en de la chambre, que tu commences avec un foyer de blesse, que tu commences avec un Saint-Dieu, que le Seigneur nous séparer de ce monde-là, que tu m'as fait une distraction de prier pour cela, de vous montrer chaque enfant de Dieu, de pas mettre à comprendre et trouve ce lieu, alléluia, et allons dans ce lieu, alléluia, et prier, c'est l'heure, et reste dans cette intimité, reste dans cette intimité, c'est l'heure. Oh, comme nous, Jésus, comme nous et vous, nous sommes les doutes, et nous les reste dans cette intimité avec toi, que cette intimité est grandie, c'est l'heure dans la vie. Rabakanta, rabababababa. Oh, nous sommes étrangers, mais nous sommes chambres de la maison de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. En Jésus-Christ, nous venons de laver par le sang de Jésus. Alléluia, nous sommes concitoyens et saints. Alléluia. Oh, Seigneur, que la belle nous de nos enfants et de l'intimité, Seigneur, et que cette intimité par le Saint-Esprit va tirer dans les cœurs. C'est la prière ce soir. Rébébébé, Santa, rabababababa. Et nous venons de nous, papa, Lila, nos présents dans ce lieu, nos présents de là, et la prière adressée au Père, dans le nom de Jésus, m'attardez, bébé, pour vous rassurer de présence. Rassurer, dit-toi là, alléluia, et que pour un nous libre ou bien pas, pour un public pouvoir, alléluia, pour un célèbre bénédiction, comme Seigneur Dieu, pour le monde, Seigneur, pour constater, alléluia, que moi-même tout le monde, sur les auteurs du pays, c'est ce qui nous priait dans cette semaine de jeûne et de prière, que moi-même pour l'église, oh la 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 la. Saint-Esprit, comme là, mon âme dit dans la joie, tout présent, Saint-Esprit, mon confort, tout la paix, tout la joie, l'irant, l'inouliqué, Saint-Esprit, n'a pas la douleur. Dans ta présence, Saint-Esprit, n'a pas la route qui toi. Merci Seigneur, le blâme, vous criez Alléluia, Amen. Merci Jésus, Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, alléluia. Merci Jésus, amen, avec la grâce de Dieu, comme je le connais, et d'une période de cyclone, amen, encore cyclone Pascal, amen, si vous pouvez bien dire, amen, alléluia. Et nous sommes incapables d'aller à l'église aujourd'hui, alors, et avec sa rapidité qui nous besoin organise nous pour nous faire nos réunions online, et depuis la maison, amen, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons besoin pour la grâce de Dieu, amen, et jouer la guitare, chanter, amen, alléluia, prêcher, prier, faire tout, amen, pour la grâce de Dieu, je viens prier pour nous, mais d'habitude, normalement, le mal frère, le mal soeur qui est de nous, amen, si vous êtes capable, amen, de dire que moi, tu peux merveiller aujourd'hui, pour être capable de célébrer sa putain, mais nous comprendre, si vous êtes place 4, ne pas capable de déplacer nos sages, c'est pour cela que le Seigneur est de nous, pour être capable de conduire sa putain-là, vous priez qui Zophine recevoir. Amen. Bézot l'année, diable recevoir. Alléluia. Amen. Bézot des crédits, diable recevoir. Et la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et comme annoncé,
nous finis et nous commence une semaine de jeûne et de prière. Ils font partie dans toutes les activités, le programme de l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui peut conduire nous pour qu'il, dans ce moment-là, nous soyons capables de rester dans la prière, prêts pour nous. Et comme ça, quand l'Église, les portes de l'Église, vous voulez dire, et nos assemblées ouvertes, nous sommes capables de retrouver nous tout feu, tout flamme. Et avec la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas venir rétrograde, nous ne pouvons pas venir décourager, nous ne pouvons pas retourner et spirituellement malade, non. Mais nous pouvons retourner avec la puissance de Dieu, avec une autre dimension, avec un plus, avec un dépôt. Et qui vont dire encore, au fin, déverse dans nous la vie, gloire à Dieu. Et pour cela, frères et sœurs, nous pouvons amener l'Église pour nous capables de rester dans cet esprit de jeûne et de prière. Comment on finit prépare-vous dans cette semaine du 20 au 26 février, c'est-à-dire aujourd'hui dimanche jusqu'à samedi prochain, comment on finit prépare-vous et pour capable d'abstenir de la nourriture, un repas ou deux repas, ou bien même trois repas, un jour, deux jours, trois jours, ou bien complètement sept jours, comment on finit prépare-vous que le Seigneur lui bénit aux dispositions qu'il vous fait prendre dans cette semaine de jeûne et de prière. Et mon frère, ma sœur, amen. Et là, quand nous pouvons faire lire sincèrement de tout notre cœur, il y a certainement une bénédiction qui déverse dans nous la vie. Amen. Alors, cette semaine, à partir de demain, lundi, et nous pour et vous voulez dire, live, le Zoom, dans sa plateforme Zoom, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ça, cinq jours de la semaine-là, nous pour le Zoom à 6h30. Et tous les jours, nous prenons 40 minutes de prière. Je tenais les détails du Zoom, c'est les mêmes détails. Vous voulez dire par rapport à ID, par rapport à, au password, je suis capable d'utiliser même et coordonner si je pénalise. Demande-nous, nous pour capable pas venir sur cela. Mais sa semaine de jeûne et de prière, ça 5 jours-là, nous pour le Zoom. Et 6h30 précise, je finis de rentrer, nous vous accès et nous vous capables de passer un moment de prière ensemble. Les pères aime vraiment aime du bien. Vous-même vous sentiez beaucoup de bien et vous reconnaissez qu'il s'aperçoit aime beaucoup de bien dans la vie de nos bons frères et nos bonnes sœurs. Alors, invite le plus grand nombre, vie en famille, vie à l'heure, en time, 6h30. Pour nous capables d'avoir 40 minutes de prière, quand nous parlons en langue, quand nous capables de prier le même sujet, renouveler nous-mêmes, frères et sœurs, et travers cette semaine de jeûne de prière, alléluia. Et même si je donne une requête de prière aussi, je suis capable de parvenir à nous, amen. Je donne un numéro de téléphone, que je suis capable de téléphoner, je suis capable d'envoyer un message, lors de ce numéro de téléphone là, c'est la sœur Mélina, je vais contacter lui, si il y a une requête de prière précise que je suis capable de donner, amen, alléluia. Et je envoie-les, et comme ça, nous sommes capables de prier ensemble avec ceux. Amen. Alors, cette semaine, nous comme cela, et dimanche prochain, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, nous sommes capables, et dans le culte online, et d'habitude, nous faisons lire au YouTube, et à 9h le dimanche, mais aujourd'hui, à cause d'une exception, un cyclone, et là, on peut faire lire à la maison, amen. Et il est plus facile, direct pour moi, ici, pour faire lire leur Facebook. Mais nous pour demander et à nos bons frères pour capable et envoyer sa vidéo là aussi sur nos chaînes YouTube comme ça va dire monde qui pas sur Facebook nous pour capable suivre le culte d'aujourd'hui. Voilà frères et sœurs, nous pour le moment de la Sainte Cène, nous demandons de préparer le repas du Seigneur, le pain et aussi le fruit de la vie avec la famille chez eux. Nous pour participer à la Sainte Cène et nous pour terminer la réunion. Et rapidement, comment le Seigneur peut diriger nous, amen. Merci Seigneur, nous remercions mon Dieu pour le courant, pour l'électricité, pour l'internet, amen. Ici à Vaqua, contre nous, ici nos courants, on est toujours en. Merci Jésus, ne pas connaître que tout, si courant coupé, amen. Si on a internet, si on a tout ma mesure, mais nous peut prier qui est Dieu avec vous, pas dans ténèbres, rappelle bien, ou dans la lumière, amen. Voilà, merci Seigneur pour toute la prière, pour votre soutien. Ma précieuse âme, nous demandons de continuer à prier pour nous, continuer à prier pour moi, alléluia, avec la grâce de Dieu, sans Dieu, nous ne sommes pas capables de faire nier. Amen, nous chantons un chant, et en attendant, je prépare la Sainte Cène, et nous participons à la Sainte Cène. À la croix, je me prosterne.
À la croix, je me prosterne, tout ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, oui, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les buts et les mots. Rien ne peut nous séparer. Laisse-nous gagner à la croix. À la croix, je me prosterne, tout ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, tu as gagné sur la mort. Gloire remplie de but de mort. Rien ne peut nous séparer. Une dernière fois à la croix, Seigneur. À la croix, je me prosterne. Tout ton sang coula pour aucun amour n'est plus grand. Et tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci Seigneur. Voilà, frères et sœurs, et nous pour participer à la Sainte-Sainte, gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Laisse-nous prier un moment. Gloire au Seigneur. Le pain qui symbolise son corps, voilà, et le fruit de la vie. Vous priez que Joseph prépare la Sainte-Seine. Amen. Laisse-nous prier. Papa, dans le nom de Jésus ce matin, approche-nous de toi ensemble, Seigneur, pour nous remercier, toi, Père, pour cette occasion, cette grâce que tu donnes nous. Même dans ce moment-là, Seigneur, à travers la technologie, l'Internet, toute la gloire n'est pour toi, Jésus. Fais-nous grâce ensemble pour maintenant ce culte et aussi participe à la Sainte-Seine qui a une bénédiction dans nous la vie. Seigneur, nous les examine nous-mêmes, nous les prends libre. Seigneur, dis, manque devant toi, Père. Et Seigneur, nous les que cela apporte une grâce et une bénédiction dans nous la vie, contre un malade guéri. Contre ceux qui, Seigneur, infirment, sont capables d'être guéris par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, nous bénis-toi, nous remercie-toi pour ce saint repas. Nous rappelle-nous, Jésus, ce qui toi te fin accomplir pour nous sur le bois de la croix. Te fin, Seigneur, donne-nous la victoire. Oui, le châtiment qui donne la paix, fin tombe en toi. Et pour te mettre ici, le fin guéri. Ce matin, nous remercions-toi pour le pardon de nos péchés, rémission de nos péchés, de fin compte en nous le premier, de sauve-nous, qui toujours, Seigneur, nous vêtements ni blancs, et qui l'huile n'est pas manque toujours dans nous la tête, qui toujours, Seigneur, nous vive pour le Seigneur, nous compte en toi. Bénis tous mon bon frère et mon bon sœur, ce matin, dans eux de la maison, qui se fait participer à la Sainte-Seine, nous demande-toi, bénis eux, Seigneur, et garde eux encore, dans la sanctification, la pureté de notre équerre, dans la foi, et bénis ton Église. Merci Seigneur, nous bénis-toi. Amen. Voilà, frères et sœurs, et dans la nuit que Jésus ne peut être livré, les filles prennent le pain, les filles rendent grâce, les filles remplissent, et les filles donnent à son disciple. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec la grâce de Dieu, et vous demandez ce matin, et participe à la Sainte-Seine et une bénédiction. Alors ce pain qui, dans nous la met, les symbolise le corps de Jésus. Jésus lui-même le pain de vie. Prenez et mangez. Amen. Et aussi, les filles prennent la coupe et qui les filles donnent de la semaine d'ici, qui les filles disent, c'est cette nouvelle alliance en mon sang, sa fruit de la vie, là, les paroles nous symbolise le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, prenez et buvez en tous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce repas, nous prier.
Seigneur, nous bénis-toi ce matin pour ce repas qui nous fit prendre, prier avant et nous prier aussi après. Merci pour la grâce qui te le fait nous ce matin pour être dans ce moment-là, ce repas, c'est un repas de bénédiction. Lève la main pour dire-toi, merci pour la force, la protection, la guérison divine, la bonne santé qui toi compte nous, Père, dans des temps très difficiles, mais te garde-nous en bonne santé, te protège, te bats des enfants. Nous connaissons ça, c'est un repas qui nous prend ce matin, c'est une bénédiction, c'est une bonne santé pour nous l'âme, pour nous la vie, pour nous l'écho. Et nous connaissons Dieu, ton God, ton peuple en bonne santé, toujours Seigneur, avec cet esprit de reconnaissance dans la foi pour obéir et pour craindre l'Éternel. Glorifie-toi ce matin, Seigneur, pour la vie et la vie en abondance qui te donne à ton man brebis. Seigneur, nous sommes les troupeaux que ta main conduit, nous sommes tes brebis. Bénis tout mon bon frère, mon bon soeur, au couvert de par le sang, que ta grâce soit sur ma vie, dans le nom de Jésus. Donne-toi toute la gloire. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen, nous t'appelons grand amen pour le Seigneur ce matin. Nous t'appelons grand amen pour Jésus, alléluia. Le nom du Seigneur est béni. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous terminions, nous sommes dans le dernier chant de louange. Amen. Alléluia. Un chant que nous avons réjoui à nous. Et puis ensuite, nous terminons le live. Alléluia. Et Dieu est béni. Amen. Avant chant dans le dernier chant. Amen. On chant un chant qui tu nous connais. T'acclamé, loué, bon Dieu. 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 Lève la main, 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 loué, bon Dieu. Chante, chante, loué. Chante, chante, loué, bon Dieu. Amen, t'amènes grand amen pour Jésus, alléluia. Voilà, frères et sœurs, nous finissons à la fin de nos réunions. Nous commençons dans les environs de 9h, nous apprécions tous nos frères et sœurs qui finissent et sont avec nous lors de ce live. Amen, mes frères et sœurs de l'Église et ceux aussi qui finissent capables de suivre la réunion. Nous finissons faire tout le mieux possible dans sa période de cyclone. Amen. Pour nous capables de servir l'Église, comme on toujours dit, nous pas nous mal serviteurs de Dieu, nous là pour servir l'Église avec la grâce de Dieu. Et nous prier que chez autres, lors de électronique, man mobile, lors de télévision, nous sommes capables de suivre la parole, nous sommes capables de partager cela aussi pour la gloire de Dieu, afin que le plus grand nombre capable adore le Seigneur, écoute la parole de Dieu et nous reste dans cet esprit de prière. Le Seigneur bénisse autres, pour ceux dans tout un bon dimanche. Une bonne semaine dans ce moment de jeûne et de prière, nous pour, et ensemble dans sa semaine-là, et lundi à vendredi, comme on finit annoncé sur Zoom, à partir à 6h30 le soir, nous donnons tout rendez-vous, s'il vous plaît, alléluia, Dieu bénisse. Alors, et mon compliment et à ma membre de notre famille, alors le Seigneur bénisse, et nous vous retrouvons très bientôt, par la grâce de Dieu. Laisse-nous dire, mon Dieu, merci, papa. Nous remercions-toi pour ce moment qui te finit de nous. Et nous donne-toi toute la gloire. Seigneur, ne pas t'y prépare pour ce moment-là. Ne pas t'y penser qu'il nous prenne à ce moment-là comme cela. Mais l'Éternel te finit et permet que ce moment-là ait lieu. C'est toi qui me dirige nous. C'est toi qui aide nous, Jésus, pour nous faire ça live-là. Nous pas un expert, nous pas comme Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, totalement, complètement, comment fonctionne, Seigneur Dieu, ça programme-là, mais te finis de nous, porte la grâce, c'est toi qui nous donne la sagesse avec la prière de l'Église, et te donne de nous, Seigneur, pour nous capables de percer l'âme avec beaucoup de grâce dans la simplicité,
pour qui le plus grand nombre est béni. Nous connaissons, Seigneur, que tu parles dans les terres à travers cette déclaration de Jésus sur la prière. Et tu finis de nous encore pour nous adorer toi. Merci pour le Saint-Repas. Bénis tout un chacun. Garde-nous dans ce moment de cyclone. Protège-nous la case. Et Seigneur, que plus vite possible, nous retrouvons-nous, Seigneur Dieu, dans la grande assemblée. Bénis tous ceux qui peuvent reprendre travail, tous ceux qui peuvent travailler en ce moment, les enfants qui pourraient prendre l'école cette semaine, de prier pour de protection, de l'élève, un mural, Seigneur Dieu, qui est du sang de Jésus autour de nous, bien-aimés, et nous prier, Seigneur, que tu restes dans la paix. Merci, Seigneur, pour ce qu'il t'a offert, et nous proclamons cette semaine, une semaine de victoire, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de bénédiction, une semaine de mal fruit qui nous pourrait récolter, et une semaine de mal récompense ouverte, pour nous la vie, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Oh, bénis-toi ce matin, Seigneur, et moi te dis merci. Amen. Amen. Voilà. Bye bye. Shalom. Que la paix de Dieu l'y a avec vous. Amen. Gloire à Dieu.